La chanson que je vais vous chanter maintenant est une chanson ancienne. Mais c'est une chanson. Un jour, un journaliste, un photographe était venu. Vous voyez que les photographes sont là souvent. Et ils m'ont demandé de faire semblant d'écrire une chanson pour la photo. Et voilà ce que j'ai écrit. Ta voix murmure, tranquille et sûre, comme un vieux disque qu'on écoute, un verre de whisky à la main. Sous la véranda, on s'installe dans un bruit feutré de sandales, devant un parterre de fleurs le 15 juillet à 5 heures. Le vent s'épuise sur la remise où mon piano s'endort enfin après une nuit de chagrin. Sous le parasol du feuillage, le vent feuillette page à page le livre de notre bonheur le 15 juillet à 5 heures. Dans la maison de Frédéric, tu as classé quelques bouquins, tu as disposé quelques fleurs cueillies fraîches de ce matin. À ta main, une cigarette grésille, on mange du melon. Hormis la chanson des frelons, nous n'avons plus rien dans la tête. Dans la maison de Frédéric, oh, ébloui comme deux enfants, tu me parles d'anciens amants, moi de mes maîtresses d'avant. Tu croques du raisin bien tendre, des grappes lourdes, couleur d'encre. Je ferai du café tout à l'heure, le 15 juillet à 5 heures. Presque irréel, tu es si belle. Entre mes cils, tu apparais comme une dame d'il y a longtemps. Je t'ai aimé ailleurs, peut-être. Il faut que j'écrive une lettre à un vieil ami qui se meurt le 15 juillet à 5 heures. Demain, c'est triste la vie d'artiste. On reprendra la vie d'avant, l'appartement où l'on s'ennuie. On invitera Frédéric, mes frères, tes sœurs, toute la clique. Il ne restera qu'une odeur du 15 juillet à 5.